Les vermines. Partir sur un coup de tête 2 heures avant le départ. Les réserves. Stop. Hola Miami. And so nice. Thank you. T'as réservé le billet? Guys, d'après mes informations exclusives, c'est réservé. Stop. Marcus, tu viens dans la soute? C'est new, genre. On a toujours pas fait nos valises. C'est l'anniversaire de Marcus. Non, non, j'ai des pattes. Notre avion est dans 1h30. On l'aura jamais. Vous êtes trop à l'aise. Si on l'a et vous voyez dans la suite, c'est n'importe quoi. Anniversaire Marcus. Joyeux anniversaire. Mais tu vas vraiment m'aller dans 15 minutes? Non, mais vous le savez. La merde, on va pas l'avoir. On va pas l'avoir. C'est mon caleçon. Décembre. Ok guys, c'est bon, on est enfin dans le taxi. On a fait nos valises en 10 minutes top chrono. Bon, si cette vidéo vous plaît, pouce en l'air. Si ça vous intéresse, on vous laisse avec la suite. Bye bitch, bye. Sympathique. Je vous laisse avec la suite. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre d'être dehors. On a failli rater le vol, genre. Pendant tout le taxi, Sullivan il vivait bien le truc. Moi je vivais trop mal le truc, j'ai l'impression qu'on allait rater le vol. Tu dis bonjour à nos verminettes. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je vous présente Eden Meyer. Enchanté. Je ferai un la grognasse de service va vous faire chier tout le week-end. Ouais, c'est une grosse grognasse. Y'a pas à être en galère. Il faut savoir que Jules ne met jamais de ceinture. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je t'ai demandé si t'avais une ceinture. Il y a une dame d'Air France qui a dit, quand elle m'avait la caméra, elle a fait: il est pas connu là, lui, wesh. Monsieur, je suis arrivé, il a dit bon, attends, mais ah. Il a dit bonjour madame, j'ai dit monsieur. Ça m'arrive tous les jours de l'année quand on dit bonjour madame. Bon ma guys, c'est parti pour le vol. On va faire, vous allez voir, le lampadaire est excellent. Il est excellent, là il est un peu fatigué. On vient de se retrouver donc il est pas dans le mood. Vous allez voir ça, il va faire une petite prépa glam. Dis donc. Excuse me, Eden Meyer. Please, excuse me. What did you do in Paris? I was working. Okay, yeah. Are you happy to be in Paris? No. Are you in couple? Are you dating? Mais là, Jules est furax parce qu'on l'a pas attendu. Vous avez pris des boissons, j'ai pris de l'eau. C'est parti pour Vereba Trip saison kit. Ivan, c'est monsieur anecdote dans notre groupe d'amis, il a toujours besoin de dire. Ouais, vous savez y a que. C'est une petite anecdote qui fait toujours plaisir. Dans l'air, quand on a des parfois, turbulences. Il y en a certaines, on n'en a pas besoin, genre. Le saviez-vous? Les avions n'ont pas le droit de voler au-dessus du Vatican. Mais moi, j'aime bien parce qu'il m'apprend des trucs, mais il a toujours besoin de raconter monsieur anecdote. Mais écoutez, vous dormirez moins con. Bon, vous allez rester avec moi parce que de là. Nous séparés, ils n'ont jamais été capables d'y arriver. Et donc personne croit en nous, on va poster 2 vidéos par semaine pendant le mois de décembre. Joyeux Noël. Je vous le souhaite. Non, non, je mais même toi, tenir. T'as dit, vous allez tenir 2 semaines. Je vous souhaite de tenir, mais. Hey, 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 we're in the plane right now. Il a fermé ses pattes. Non, ça, c'est pas le lieu pour manger ça. C'est dur. On est dans la vie en dessous. Guys, on est bien arrivés. Guys, on attend les suitcases. Suitcase. Sorry, so sorry. Where's Sullivan? La princesse du désert arrive. La princesse du désert arrive. Non mais regardez la situation. Non mais la diva. Les vermines à Madrid. No pictures, please. No pictures. Sorry, I want to be alone. Yeah, I'm so jet lagged right now. Possible que put. You're here. Prenez l'inspiration, on n'a aucun d'entre nous qui parle. Tu l'as dit. On vient d'arriver à Madrid, très sympa, ces petites ruelles de Noël. Quoi? Je suis pas sûr du quartier. Oh non mais la bobo parisienne commence quoi, elle est pas sûre du quartier. C'est vrai qu'on est très dans un quartier olé olé. Je suis pas sûr non plus. Mais non, si ça a l'air très sympa, regardez. Bon, on vous retrouve quand on est rentré. J'espère que le proprio il parle anglais. Bon, on vient d'arriver dans le Airbnb. Il est plutôt... Très sympathique, petit canapé. Y a un petit plan de table. Ouh là là. Pour un espace coworking. Ouh là là. Y a quoi là-bas? Mais t'avais pas vu? Ah, oh non, je pensais que c'était une petite terrain. Oh là là, que c'est mimi. Comment on allume ça? Ouais, sympa. Par contre là, on va voir nos quéquettes. Ouh là là. Ça c'est la master. Attends, mais comment on se répartit?
Vu que vous êtes deux, moi je pense que Johan c'est là-bas, c'est celui qui reste qu'un soir. Ouais. Tu vois, on va montrer là, est-ce que vous êtes au courant que Johan arrive demain ou pas? Bah je sais pas. Y'a un dressing, Eden, c'est pour nous. Quoi? Y'a un dressing, c'est pour nous. Ah mais il est grave cute. L'intimité c'est où? Ah, oui par contre sortir de la chambre. Oui. Troisième la petite chambre de la Johan. Salle de bain. Ouais, bon je crois que ça va être Johan ça. Bon ouais Johan. Du coup c'est quoi ma chambre, c'est ça? Bah oui. Oulala! Ouais, ouais, tu vas bien te sentir ici vers minuit. On commence par un petit café parce que ce soir ça va partir en fiesta. Très sympa! Oh! Il y a des glaçons. Ah oui, Eden est addict aux glaçons. Vrai que, ouais, Eden met des glaçons avec tout. On a rendez-vous à 22h30. On est tellement blessés! Ouais, par contre, il est trop bien là-bas. Oulala! T'es tellement cette working girl. J'suis tellement cette bosseuse. Camille, j'ai un déj, tu me fais un call avec une to-do. On se colle à zap. Tu vas faire un petit coworking et puis j'appelle Patrick, il va nous faire une cheat call. Une petite heure plus tard, guys, la Eden sort de son meilleur glam. Regardez, cette petite femme d'affaires. Ah, non, ça m'a pas préparé. Les garçons sont partis au restaurant, donc j'ai l'appart pour moi tout seul. Ça bosse dur. Ah là là, petit dîner sympa, je viens d'arriver au resto. J'ai commandé ça, guys, du petit riz. J'ai oublié des t-shirts, donc guys, pour que mon t-shirt passe, autre que Ricard. J'ai mis le t-shirt d'Eva Queen. Eva Queen. Alors que toi, regarde. Train. Bizarre à dire, mais tout le monde est déjà. Bon. En gros, on est censé sortir après, on est pas trop motivé, on a l'impression que c'est un peu la game potion qui va nous sauver. Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà, Danae? Danae, dans une vidéo en 2015, elle disait Un coco loco, por favor. Dos platitos de chocolate y un coco loco, por favor. Ça vient de là? Un coco loco, por favor, oui. Quand il commande des pâtes, Eden, vu qu'il est italien. Même quand il parle à un serveur français, genre je vais vous prendre le parmigiano. Non mais la dégaine, je m'arrête. C'est quoi? Nos abonnés devant l'écran. Il y a un froid de queue. Là, on va clubbing. On va aller un petit doucement. Tu te fais siffler et... Ouais, comme d'hab. Eden a décidé, la diva, de rentrer en taxi. Parce qu'il a mal au pied. C'est vraiment, on rentre à pied. Il est 3h du matin. Petit débrief de la soirée, c'était très sympa. On a fait 3 boîtes. Johan, demain, il a un vol à 7h du matin. Mais je vous préviens, vous ne me réveillez pas demain. Oui, on te laisse un peu dormir. Mais demain, on fait une journée sympa. Oui, mais je me lève à midi. Patch. Un patch. Oh mon dieu. Mais attends, mais là tu peux te blesser là. Mes cheveux c'est un slay et désolé. Parce que toi, fais-toi 4 décolorations, on verra comment ils sont. Mais ma gueule, j'ai pendant un an et demi, j'ai fait des couleurs et des décolorations. Mais ta gueule. Elle veut trop faire la justice. Ta gueule. Ton coiffeur rue Montorgueil. Alors ça c'est le coiffeur de la S. Qui te fait des balayages et des tie-and-zags. Moi je souffre pour mon art. T'es juste jealous. I'm jealous. Continue, 40 degrés dans cette chambre. Mais il y a pas d'air. Open me. Quand je vais chez Ikea, t'achètes, tu sais, les trucs là. Je suis content. Non, non, non. C'est quoi ça? Baby, believe me. Il a pas compris. Bon. Ouais. Bon, allez. Les 4 heures. Johan, il arrive dans 3 heures. Non, mais je m'en bats les couilles, genre. Vous avez vu comment ils sont? Parce que eux, ils vont dormir. Non, mais allô, attends. Qui va lui ouvrir? Attends, j'ai une petite médaille pour toi. Juste ici, encore une fois. Tiens, voilà. De toute façon, on sait très bien que tu vas te lever tôt, toi. Non, mais qui a décidé de venir un jour après pour être exclusif? Pas du tout. Bon, bonne nuit, les chéris. Vous allez voir, là, Eden, elle va être coiffée comme ça, là. Salut, et lui. Sylvain, il va faire. Non, Sylvain, c'est ok. Retenez qu'une chose ce soir et on vous dit bonne nuit, c'est... Les vermines. Deux gifles. On a un nouvel arrivant qui dort. Ça va, les Didi? Non. Quoi? Tu hurles dans le salon, il y a notre pauvre convive qui s'en fout. Il a aucun respect pour personne. Mais quoi? Non, mais on dirait Sylvie la déjante. Oh, tu ressembles à ta mère là. Je te jure, le même brushing. Tu sais que ce matin, comment réveiller la sonnée, il disait
Ils ne sont pas au courant et Eden, tu n'es pas au courant. J'ai fait nuit blanche. Ouais. Je n'ai pas dormi, ça se voit, non? Je n'ai pas réussi à dormir, je pense que c'est les Red Bull, ça m'a stressé, j'ai l'impression d'avoir le cœur qui battait. J'ai dormi comme ça, tu sais. Et je me suis endormi, je crois, à 8h30 et El Zigoto qui arrivait en pleine nuit. J'ai pas de gilet, j'ai rien. Merci bien. Je mets quel côté toi d'habitude? Moi j'aime bien le bleu clair, ça te donne une bonne lunette. Bon bah last day. Last day de ouf. On est séparés, ils n'ont jamais été capables d'y arriver. Toi et moi, c'est pour la vie et personne ne peut venir. Vous vous souvenez là, tu dois essayer avant de dormir là. C'était tellement sur le lit, c'était trop drôle. Non mais je vais mettre un petit chouchou, non parce que là je suis terrible à voir. Je reste mon regard. Non, tu ressembles à Michel Ponareff. Il y en a un qui réveille. Lily, c'est les 50 ans de Disney. Johan est un grand grand fan de Disney. Il a carrément un tatouage Peter Pan sur le poignet. Non mais horrible, je trouve ça très frais. Moi c'est mon Disney préféré. Pour garder son âme d'enfant après tout. Il a l'étoile imaginaire. Là vous allez dire je suis mauvais. On a sorti une belle vidéo avec Maya, une petite story pyjama très sympa. Vous allez voir comment ça part un peu en clash. Donc n'hésitez pas à aller la voir, le gars juste ici. J'ai un peu d'aide. On a pas beaucoup dormi donc on va voir comment est-ce qu'on va tenir la journée. Moi je vais pas non plus aller faire un laser game. Je vais pas non plus aller à Universal visiter des studios. On va manger, se promener dans la ville mais pas too much. J'ai besoin d'énergie parce que ce soir on refait la drague. Madrid. Il y a plutôt qui va réveiller, il lui faut une dent. Regardez-moi ce petit pull, très beau bohème chic. Il est bien habillé. Une fois que je te haine. Ouais, bon, c'est belle cette veste. Je sens que je vais pas faire long feu today. On est censé partir dans 20 minutes, Johan et moi, on est toujours en pyjama. La vermine est déjà prête, toute pimpante. Je suis pas en pyjama, hein. J'ai pris l'avion. Hein. Bah justement, you smell. Yo. Regarde-toi, ta peau sèche. Il a mis son pyjama en dessous. Bah ouais, parce qu'en fait sinon je vais avoir trop froid. Ça bosse hein. Oui. Sous-titre tes vidéos. J'ai sous-titré tout. Parole par parole. Parce que déjà ça rend le contenu plus accessible et en même temps je trouve que ça ajoute un petit charme. Et on a un vocabulaire qui est assez précis, assez compliqué, assez niche. Donc si j'écris pas, les gens comprennent pas. J'adore, t'es très calme. J'ai l'impression d'être votre agent. Je vous ai réservé un call. Vous avez réservé un call. Oh, tu rigoleras moins quand tu vas t'évanouir dans 2 minutes parce que t'as pas dormi ma chérie. Tu tires à balles réelles avec tes yeux. C'est parti, on part à Milano. Milano. Madrid. C'est tellement haut. C'est parti Madrid. J'ai l'impression que ça fait 4 jours on est là. Vraiment. Mais il fait même pas un peu plus chaud qu'à Paris, c'est des crevards. Bon Eden, t'as envie de quoi toi? De pancakes, de saumon. Il y a un mec, il a fait oh shit. Moi je veux un slay. Oh slay. Hablo un poco de español porque me llamo Sudibal. Hey. Vivo en Paris. 22 años. Yeah. 22. Un pic. J'ai aucun souvenir les garçons quand on est allé à Madrid. Moi j'étais pas là. Je suis trop content, j'ai envie de conquérir le... T'es trop content. Donc là, tout le monde nous regarde. En fait, il faut ranger un peu la caméra, non? Ouais, les gens ils nous regardent chez eux. Ouais, les gens ils nous regardent, très bizarre. Ouais. Je comprends, tu vois des... Mais c'est vrai que... Vous achetez dessus. Je crois que je viens de me prendre une crotte de pigeon où il pleut. Non mais c'est quoi ce monde? On est sur les champs? On va au restaurant. Bah oui, mais lequel? Vu ben, on va je au... Je vais faire une compilation où Eden se plaint. Mais c'est... je me plains pas, si vous me demandez où on va au resto. Tu veux une nouvelle paire de Uggs ou pas? Guys, je me suis trompé, je pensais qu'il y avait Joanne devant moi. Et j'ai touché une dame et j'ai senti que c'était pas le manteau genre. Mais là celui-là je savais que prouver. Sullivan il veut que prouver, il veut que croire c'est Dad Beach. Genre y'a personne qui le regarde depuis ta date. Que je disais que... Quand je vous dis mais je vous promets tout le monde nous regarde. Au début je pensais que c'était les caméras mais enfin regardez la dégaine de la Sylvie quoi. Sylvie. Maman Sylvie. Sylvie, vous avez sorti votre premier bouquin, encore moi. Hey, j'espère qu'il y a un petit rooftop Eden hein. Ouais. J'espère que c'est sympa la vue hein. Il n'y a pas de rooftop du tout. Le guide est... Le guide n'en peut plus. On vient de nous dire qu'apparemment ça valait le coup. Que le petit brunch était très sympa. Donc Eden, je suis fier de... Oh, vos gueules et mouettes. Tu nous emmènes à une bonne petite adresse. Je suis fier de ton parcours. Notre guide, on va peut-être le rembaucher pour notre prochain voyage. Là j'ai envie d'un petit tacos parce qu'on est quand même en Espagne, c'est le mood. Tu te régales ma vermine? Oui. Avec Jules depuis ce matin, on dit à tout le monde que le mot du jour c'est réconfort. Du mois. Le mot du mois. Enjoy your meal. T'aimes trop prendre ma veste diesel rouge? Et c'est ma veste, la mienne là. La diesel là. Ça les a requinqués. Ça t'a requinqué?
Rien de tel qu'un bon verre d'eau avec des glaçons. Herminette, tu fais un petit Sam. Dors tellement paisiblement, vas-y lâche. Il est temps de conquérir Madrid. Je te laisse en reparler un peu. Tout le monde pionce quoi. Tu pionces ma vie. Tu bossais dur, mais je faisais la même chose avec mes parents. Je leur disais je vais bosser dans ma chambre et je pionçais. J'avais mon cahier à côté pour faire genre. On vous rejoint après à la boîte. Cocktail Eden Meyer, glaçon et eau. J'aime bien ce petit brushing à la Solène. Un peu Sylvie. Sylvie Ortega. On va voir, on va essayer de réveiller Sylvie, il va pas se réveiller. Il y a un petit calou. Regardez, il a tiré à balle réelle. Il m'a flingué avec ses yeux. Non mais c'est une méga joke, genre tout le monde dort. Non, tout le monde dormait. Je me suis retrouvée sans vivre. Ah ouais? Oui. Ah là, tu t'as dormi puisqu'on était plus là? Bah, c'était la fin du monde, genre. Joan a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était tellement bien. Ouais, grave. On va réveiller la Joan. Ah non, mais pas du tout. Non. Et ta cousine qui. Ah, mais oui. Le pauvre, regarde, il blague. Choqué, il a sa caméra cachée. J'ai tout entendu. Oh mon dieu, a bullet shake. Voilà, ça cambre. Et donc vous activez vite, hein. L'amour brille sous les étoiles. Ah. Et on va aller sur un petit rouf-rouf. Petit rooftop. Elle était bénéfique. Elle était ouais, mais tu vois, c'était une vraie sieste. C'était ouais, pas ouais. Une couche somnolée. Une sieste réparatrice, on appelle ça. Vous avez remarqué qu'ici, il fait genre plus tard qu'à Paris. Sylvain, il fait des petits trucs. Et il cherche la merde. Mais là, c'est bien. Ça filmé partout. Ok, il peut pas dire le contraire. Ils sont réservés à 20h30. Ah ouais? Oui. Fait que bouffer. Hein. Oh non, j'adore! Le ciel, il est très one last time. Ah, il est gris. Ouais, il est tellement one last time. I was alive. Hola Miami! Hola Miami! Arrête. I love you guys! I love Spain, I love Madrid, I love you guys. See you tonight at the show! Walk away, walk away. So... Venez, on va faire les garçons. So, I drink this thing, it's called water, and it's water. So nice for your body. Best thing ever. My guy. Fuck you. Mes amours, je suis à Madrid, je suis croc content, check tous mes copines. Ce soir, on va en club et croc content. Vraiment croc content. J'aimerais bien vraiment commencer à me préparer parce que moi, ça prend un peu du temps. Voilà quoi, j'ai fait un carré plongeant. Bon. Comme vous le voyez, il y a un petit chantier à faire. On n'est pas tous très beaux à voir, ça va pas être très agréable pour vous. Oh. Donc on se voit. Ouh là 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 là, la caution. J'ai allumé avec mon cul. C'est Vermine qui paye, hein. C'est Jules. on vous retrouve quand on est un bambe bébé. J'ai emprunté le chargeur d'Eden pour me faire une ceinture parce que personne n'a de ceinture dans cette baraque. Tout le monde est un peu radin sur les bords ce soir. Faut que ce soit serré ce pantalon. Parce que mettre mon t-shirt de sport en boîte, ça fait un peu déjà. Je vais en cours. Donc il faut que moi mon pantalon soit un peu. Bien cintré, tu vois. C'est pas très joli derrière. Hein. On s'en fout. Voilà. Slay. Bah attends, mais t'as fait nimp là. Mais je t'ai fait un nœud. On est beau. Non, mais sympatoche. Toi, j'utilise ta petite. Crunch. Peut-être un peu plus. Ouais. Allez, vas-y, on est ce soir. Allez. Ce soir, on est peu importe. Alors, t'as retiré le câble? Ouais. J'ai fait un nœud. Ça sent bon. Ça sent bon. Je ressemble à un bûcheron ou à un petit enfant. Les bras sur les côtés, genre. Fleur au pinot. Une seule méchette. Non, je te jure, je gagne. Tu sais ce que ça sent? Ça sent le Mahomam, le bonbon là. Bah, quoi? J'ai pas le droit? Un petit câlin. Mais je fais pas ça, t'es fou. Mais fais pas ça. Ça va? En plus, midi, on a un déjeuner, il dit. Je suis de plus en plus tactile, moi. Ouais, merci, mais pas un câlin que tu me prends par la taille de derrière. Il y a des différents niveaux de tactile. Alors que notre prochaine miniature, c'est ça. Et toi, là, tu sais. Fais écouter le bruit, vas-y, fais le bruit. Parce que c'est... En fait, je fais tout le temps ce tic et Eden, ça le fait mourir de rire. Bon, j'ai trop le seum, il y a un riposte de TikTok où genre la vidéo de Maya, toi et moi, quand j'annonce que je viens pas parce que je pars à Londres. En gros, il y a plein de gens qui disent ouais, Jules a l'air faux, Jules c'est un pote en carton et tout, ça me fait grave de la peine. Genre, mais du coup là j'ai fait un TikTok où j'ai expliqué que genre c'est sorti de son contexte. Parce que. Et j'ai dit que je suis un mauvais ami parce que je pouvais pas être là à son anniv et que je le dis tout nu en souriant. Les gens qui me connaissent savent ma relation avec Maya, savent comment je suis ou je le dis un peu en rigolant. Ouais, bah oui. Et du coup, leur les gens. Et ça fait un vrai bordel là, c'est un vrai scandale. Ouais, le TikTok il pète et genre tout le monde m'insulte. Tellement beau, chacun son équipe.
guys, Sullivan depuis tout à l'heure il se fait un sandwich. Il a créé un sandwich avec la tomate et tout. Et en fait. Là on a fini le petit dîner, c'est très sympa, c'est Suloge qui nous a invités. C'était trop trop bien. C'était trop trop sympa. Quelle heure est-il madame Persil? 8h moins quart madame Placard. On va prendre des petits verres en terrasse. Viens comme il faut avant de faire. Ah, c'est à l'envers à Madrid? À l'endroit, à l'envers. Mais tu l'as cassé là ta carte. Bizarrement, là ça marche pas. Hein. Les vermines sortent en boîte. Personne dans la boîte, on est les premiers à arriver. On est solo, les Espagnols ils viennent faire la fête à 2h. Ça c'est mort. Qu'est-ce qui m'a empêché de prendre une cuillère? Je ne vois pas le Red Bull. Non mais là, Isabelle Marant quoi. Papa, on se réveille. On a fait le ménage, j'arrive dans 5 minutes. Tout ce que je sais, c'est que vous voulez passer une soirée mémorable. Ça, on l'a passé. C'est tellement dur. Hier, c'était n'importe quoi. On est rentré tard, on n'a pas été responsable. Elle est vraiment pas gentille à propre. Je dis, it's possible to do a late check-out. Unfortunately, it's not possible. Du coup, là, de 11h30 jusqu'à. Et notre valet est à 17h, donc je sais pas ce qu'on va faire. Là, genre, on est hyper irresponsable. C'est-à-dire que là, on va sortir du Airbnb. On attend que la femme ménage arrive. Au moment où elle arrive, on prend les valises, on se casse. Vraiment. Au revoir la chambre, au revoir la salle de bain. Au revoir Madrid. Les amis, moi je prends un autre avion pour aller à New York, du coup je peux pas rester dans ce même terminal que eux. Et on se retrouve dans quelques jours. Il a pris notre compagnie. J'ai juste pris notre compagnie pour faire des économies. La Air Paradise Line. C'est ça que je dis. Donc voilà, on se sépare, mais on se retrouve ce soir, puis qu'on vient ensemble. On se retrouve vraiment ce soir. Oh, oui, j'ai oublié mes AirPods dans le logement, j'ai trop le seum. Du coup, c'est une façon. Et tellement pas d'endroit où aller avec nos valises qu'on glande à l'aéroport. Bon bisous, mais je suis pas choups. Bisous. À tous. Quoi? Il est drôle. Non, mais en plus, je sais pas comment taper sur l'épaule. C'est horrible ce qui se passe là. Non, hablo espagnol. Mais moi je me cache. Eden et Sylvain étaient allongés sur les banquettes et le mec il est venu me s'engueuler. Il s'est fait gronder derrière. Celui-là, je t'ai fait gronder. Bon, guys, on est arrivé. Là, on va aller à la maison. On se retrouve à la Casbah. On va se faire un movie time, ça va faire du bien. Sylvain et moi, on adore quand on rentre chez nous dire. Harry, on est chez nous. Ah, on est chez nous, Harry. Bienvenue chez nous. Abonnez-vous à la chaîne Les Vermines. Les amis, on vient d'entrer chez nous. Dans même pas 200 abonnés, on a les 100 000 abonnés. J'ai tellement envie. Ouais, seulement. Monsieur Père Noël. Guys, j'ai une idée. En gros, là, on va pas les avoir ce soir. On va manger tranquillement, on va regarder un petit movies. Et on va sleep. Mais j'avais quand même envie de vivre ces petits 100 000 abonnés avec vous. Je vous mets la vidéo quand on aura les 100 000 maintenant. 3, 2, 1. Ça va être 95. Ah, mais merci. Bon les amis, ce petit vlog à Madrid est bien. Voilà, c'est très sympa. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment fracasse. C'est bien amusé, c'était trop bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter. Abonnez-vous maintenant qu'il y a les 100 000. Peut-être pas. Et nous, avec notre petite souplette, on vous dit à samedi et mercredi, tout le mois de décembre. À midi. Gros bisous. Mais je suis pas. Bon bisous.